Salut, salut tout le monde, le mois de juillet 2023 est terminé et revoyons les statistiques immobilières pour le Grand Sherbrooke au niveau de 2022 contre 2023 pour des statistiques qui sont intéressantes, comme le délai de vente moyen. On est passé de 25 jours en moyenne l'an passé à 40 jours cette année. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, c'est 207 l'an passé versus 249 propriétés disponibles. Et ça, c'est toutes les unifamiliales et les copropriétés. Donc, rien de commercial et de multi-logement. Au niveau du prix de vente vendu versus le prix Originalement affiché sur Centris, on était à 100% l'an passé, 100% cette année. Ça veut dire que tu mets ta maison en vente à 300 000, tu peux statistiquement t'attendre à la vente à 300 000. Le prix médian de vente était de 320 000 l'an passé, 345 000 cette année. Et au niveau du nombre de ventes effectuées, on en avait 87 l'an passé et 96 cette année. Je vais tenter, parce que je pars trois jours en vacances, rapidement de faire le podcast sur mon analyse des statistiques au niveau de Sherbrooke, Magog, Bromont, Grimby, L'estrie et le Québec. Si jamais tu veux plus d'informations, suis ça et tu peux aller sur Balado Spotify, IR Radio et regarder la famille le podcast Service Immobilier. Ça va me faire plaisir de donner toutes les informations que tu as besoin. Je te souhaite une bonne journée.